J'ai découvert la face cachée de Thread. Et aujourd'hui, je vais vous montrer en quoi c'est un réseau diabolique. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il est possible de répondre à chaque message avec un vocal. C'est-à-dire qu'on peut entendre la voix de tout le monde. Et c'est là qu'aujourd'hui, on va bien s'amuser. On va écouter les pires vocaux de Thread. Qu'est-ce qui a une bombe et qui est couleur un peu bronzée? Un arabe! Résiste, résiste, ne croque pas à ça, ne croque pas à ça. Tout le monde te regarde. Je vous l'ai dit que c'était diabolique. Ce réseau transforme les gens et ne se cache même plus. Comment appelle-t-on deux noirs dans un sac de couchage? Un Twix. Connu. Très connu, très très connu. Mais vous commencez à comprendre les enjeux de ce réseau? Yannick, c'était pas très utile de faire ça, tu vois. Mais ça montre la mentalité des personnes sur Thread. Petite anecdote, voilà. Et il se trouve que, en fait, j'ai pris la table et je l'ai balancée à la gueule de la prof. J'aurais aimé jeter ma prof par-dessus la fenêtre du deuxième étage, mais bon, j'ai fini en heure de colle. C'est déjà mieux. C'est un aveu criminel? Stylé. Mais c'est coupable. Et non, c'est pas le bon concept. It's me, Mario. Mario Kart. Yep, yep, yep. Yahoo! Non mais il y a aussi un sacré potentiel de talent là-dessus. La dernière fois, il y a un mec qui m'a imité Gollum. Quacoubé. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Plus diabolique que ça, tu meurs. J'ai l'impression que l'intelligence humaine est partie, et c'est trop tard. On ne peut plus rien y faire. Regardez. Bonsoir à tous, j'ai rien d'autre à dire. Abonnez-vous! Je suis traumatisé. Là, c'est un traumatisme, ouais. Salut Gabin, moi c'est Oscar et... Même Oscar, il a plus aucune joie de vivre. C'est pas normal, ça. C'est Thread, le problème. C'est diabolique. Qu'est-ce qui est noir et qui... Non, ça y est, on arrête les blagues racistes. Dommage, j'aurais voulu savoir la suite. C'est une instru de Jul. C'est toi qui as composé ce son. Incroyable. On écoute ça. Félicitations. Il a réussi à passer dans la vidéo, comme ça il met un droit d'auteur et il récupère tous les revenus. Ce mec est trop un bâtard. Mais stylé, j'adore l'instru, on dirait vraiment du type Jul. Lui, je l'aime bien. Hop, on va le follow back. On va pas le follow back parce qu'il ne me suit pas. On donne un sacré pouvoir aux gens et voici ce qu'ils en font. Mais c'est très drôle. Oh, j'ai un truc trop important à dire. Bonne soirée. Voilà, c'était la fin du vocal. Vous voyez dans quel état ça met cette histoire? Et la fin de son vocal, on ne l'aura jamais. Salut, c'est un stats. On va tous vous abonner à 14h36. Ça va pas se placer. Fais ma pub, sinon je viens chez toi et je la fais moi-même cette pub. C'est un stats. Applause, t'es là-bas. Ok, bah abonnez-vous à Matheus74. C'est tout ce que je peux vous dire parce que là, je suis en train de me faire menacer. Je vous l'ai dit que ce réseau était diabolique. Vous vous en souvenez? Alors, j'ai sûrement flop en faisant ça, mais vraiment, genre... Cacou, cacou! Bah, oui, oui, oui. Franchement, t'as eu ce que tu voulais. Félicitations, c'est génial. Maintenant, je te bloque. Voilà, ça va être plus simple comme ça. Ok, alors je sais que ça peut paraître fou, mais je suis dans une pièce qui résonne. Mais non. Du coup, je suis là et je peux faire mes frères et sœurs. Allez, la suite. Je m'appelle Clovis. Ouais, je fais un vocal dans un placard. Ouais, parce que comme ça, c'est insonorisé comme l'insonorisation. Attendez, attendez, attendez. Si on mettait l'instru de l'autre mec de tout à l'heure, je crois qu'on a un truc fou là. Je fais un vocal dans un placard. Ouais, parce que comme ça, c'est insonorisé comme l'insonorisation. On est sur un sacré réseau, je vous l'ai dit. Il y a un truc qui me dérange dans ce réseau et je saurais pas vous dire ce que c'est. Je crois que c'est juste que vous êtes con. Alors déjà bonjour, ensuite allez boule, allez boule. Comment ça allez boule? Putain, mais ça fait trois fois, c'est le même connard. À un moment donné, j'en ai marre de lui. Et là, je suis actuellement dans un placard, je sais pas si ça s'entend, bordel de merde. Je sais pas parler, mais putain, parle français. Putain, connard. Là on est sur un pauvre gars qui est enfermé dans un placard et y a personne pour l'aider. Fais chier. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Un chinois à l'arrêt de bus. Putain, mais merde, en plus je suis sûr que c'est à cause de moi que vous dites que des trucs comme ça parce que vous pensez que je suis raciste. Et vous avez bien raison. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu et si vous aussi vous pensez que Thread est diabolique. En vrai, j'aime beaucoup ce réseau. Mais je me vois pas apprendre des trucs là-dessus quand je vois la communauté qu'il y a. N'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre mon compte Thread, il s'affiche juste ici, c'est sur Instagram. Et envoyez-moi vos pires messages vocaux. Qu'on rigole un peu et qu'on fasse un deuxième épisode. Allez, à plus. Je m'appelle Clovis, ouais, je fais un vocal dans un placard. Ouais, parce que comme ça, c'est insonorisé comme l'insonorisation. Et en plus, j'ai installé Thread il y a pas longtemps et j'ai déjà...